Un noyer de mâche brune. On va faire un petit araignée, c'est-à-dire on va faire la sauteuse. On a vu la pointe ou l'intermédiaire. Donc ici j'introduis un hameçon numéro 12. Fort de fer. Et avec ma soie de montage, enfin sous-corps. Mais jusqu'à la courbure. Là, au cercle, je vais fixer une fibre de plume de perdrix rouge. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la grise ou bien vous mettez du faisan. Il faut rester dans les tons bruns. Mais bon, avec la perdrix rouge et gris comme ça, c'est original. Pas trop long les cercles comme d'habitude. Là je place aussi un petit tinsel or fin. Je fais une petite boucle pour faire un dubbing. Et je me place à l'avant. Alors sur une oreille de lièvre, je vais prélever les fibres, les noirs et feux là, que l'on trouve sur le bord. Et je fais une petite mèche que j'introduis dans ma boucle et je vais twister le tout. Assez serré. Pas trop de matière quand même. Je répartis un peu et là je fais mon corps. Super jointive et serrée. À 2 mm de l'œillet, je m'arrête. Et je fixe. Je vais cercler dans le sens contraire. Petit spire, de manière à pas noyer mon tinsel dans les spires. Voilà. Pas serré, hein. Faut pas avoir trop de tincelle sur le corps. Alors celle-là, la type araignée, on l'emploie comme sauteuse. Elle est moins fournie et surtout, elle est beaucoup plus légère que la pointe ou l'intermédiaire. Elle se place en tête sur un train de trois mouches. Là, je vais parer une plume de bécasse. Alors, tout le côté droit, je le garde et je vais arracher le côté gauche pour les droitiers. Le contraire pour les gauchers. Oui, bon. Je la nettoie et je la fixe par la pointe. Si vous n'avez pas de bécasse, prenez aussi une plume de perdrix grise. La bécasse est un peu plus foncée et puis les fibres sont un peu plus courtes, c'est ça qui est bien. Donc je vais tourner deux tours. On imite les ailes naissance. Voilà. Là, je vais le bloquer. Je vais couper le rachis. Et je vais faire une belle petite tête.
Moi, je finis. Une pointe de vernis transparent. Voici donc une sauteuse noyée de mâche brune avec ses cercles, son corps cerclé et son aile. Bon montage!